C'est pour cela que nous allons vous demander un silence total, je vous en prie. Amen. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de
masana kongo ku isosaye yamana afi nasramba yenya miku biyamana ite sapenya de pleli kongo sanga inukansa yebifa mentioni asie susanbe soni ça, c'est bon, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de Que me fico no meu pai, minha mãe e o seu papel.
C'est un peu de
Il était déjà un peu plus de temps. 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 Il était
Amen. 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 Non, il y a quelqu'un qui a fait un peu de temps. C'est bien, mais il y a un peu de temps. Non, il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de Kevin is asking, is Ricky Boche? Yen 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 C'est un cas de femme, ça nous vient pas de dire que nous avons un petit sou. Afi, mes amis, je ne sais pas si je suis un peu de lien. Je suis un peu de lien. Et je suis un peu de lien. C'est 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 un peu Afi, pour que nous puissions nous voir, Satan offrait une parole à vous. Tu sais, il sort, 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 C'est le soupçon que tu as fait là où il y a rien. C'est un peu de temps. Il y a 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 un C'est que j'ai appelé le caméra comme un allé. Pour avoir une petite coupe à Moïse. Amen. 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 Qu'est-ce que c'est que ça? Viens, 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 viens,
Sont dit, pour que certains, même moi, vieux, le monde est fini. Pour que c'est vrai, ça fait rire, c'est banal. Mais pourtant, c'est une réalité. Que va prochain mois, Bella Fiasu, il était une chose à faire, Marnia. On a fait ça, mais non, fidèle. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Bon, mais pas, on a fait beaucoup de mon fidèle. Non, combien de matins? Il y a un peu de travail, il y a un mécanisme. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Mais, il y a pas de mais, il y a pas de mais, il y a un pas mais, vous avez aussi, il y a pas de triqué. Nous irons de mal à pire. Le monde va s'écrouler. Mais au sac, les gens ne sont pas toujours dans ces secondes. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. C'est la grosse rame de la paix. Ils sont en train de faire des choses. 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 Qu'est-ce que moi bien sans le cas, sans le cas, sans le cas, est-ce que tout le monde a pu finir? Est-ce que même bon, on a la vie, même bon, on a la vie. Il y a mes temps, il y a profondément là. Mais dans six mois, comme il y a mes plus loin, mes soirées, moi, il y a mes plus. Nous, besoin que pour me dire, la masse à qui m'est. C'est quand ils sont pas, ils s'appellent petit. Là, quel est le petit. Mais tu dis qu'il n'y a pas de problème, qu'est-ce que tu dis? C'est gagné, on voulait un clou. Il y a une faille du dimanche. Sauf que, bien où il y a une faille du dimanche, mais attends, tu m'as dit, Thomas, on voulait un peu de temps. On voulait un peu de temps, 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 on voulait un peu. C'est sans qu'on y a un point, à mon gars, il y a des femmes qui ont des mamans, il y a ces vieux cas qui peuvent frapper moi son frère. Ils ont dit, il y a des clients qui sont pas. Ah, il y a des clients. Au cas de quand ça vous croise. Mais je ne sais pas si vous avez dit que 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 vous avez oh, il connaît ce soir. Ben, avec soin de la façon, on va la faire sur le chemin. Bien, on voulait que nous tenions les gens, on va connaître ce soir. C'est que bien, la faire sur le chemin, on va travailler. Le chemin, il y a mes soulots, on l'a, si ça aurait, il y a moyen de quoi. C'est à Sri Loy, au Sri, au Calais, c'est à Oussou, le chemin. A cassou les sous ti. Ça me fait ça pas faire pas. Mais faut voir ça là. Ça voir ce c'est que ce moi, oh c'est bien au cas bon moi. Ça pour niveau stylé. Ça voir pour niveau ya pour bien dire. Ça pour ce moi au niveau soulé. Mais faut pas ça. On t'a qu'à voir pas là. Je sens tout son mon noir. Les situations.
Mon oncle, non. Mais monsieur, on t'a sorti. Qu'est-ce qu'on parle? Quelle personne pour parler? Ça va vous mettre moi. Quelle personne pour vous suivre? Vous êtes suivi. Ça va suivre. On ne peut pas faire ça. On suivi. Je suis là. Ils n'ont pas cru en moi.
au Dieu de Naoum. Moi et mes enfants, nous allons hériter du royaume des cieux. C'est vrai. Mais si nous, nous sommes, nous ne sommes pas dans la vérité, dans le mensonge, sachez que vous, je, moi et la prophète Naoum, nous irons directement dans le feu éternel. Mais ne restons pas à dire c'est faux, c'est vrai. Quand tu ne viens pas à Patmos, ferme-la. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas ton parent. Dieu n'est pas ton ami. Dieu, ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ton père. Dieu, il est Dieu. Et donc, quand on dit Dieu est descendu, si tu ne veux pas croire, boucle-la. Ça serait mieux. Parce que rien ne prouve que tu es dans la vérité. Pour dire que nous sommes perdus, comme vous le dites. Mais on va chercher celui qui est perdu. Venez nous chercher. Faites en sorte que nous puissions sortir de ce trou-là. Essayez, vous allez voir, c'est vous qui allez rester ici, là. Parce que vous allez comprendre que c'est vous qui êtes perdu, non pas nous. Nous, nous sommes dans la vérité parce que ce que nous savons, vous ne le savez pas. Ce que nous, nous connaissons, vous ne le connaissez pas. Nous, on peut vous enseigner, que tu sois pasteur, que tu sois prophète ou quoi. Nous, ici, on peut vous enseigner matin, midi et soir. Mais vous, vous ne pouvez pas nous enseigner. Vous allez nous enseigner quoi? Qu'est-ce que vous savez que nous, on ne sait pas? Que nous ne savons pas. La Bible. Quand tu vas dire rien que la Bible, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Oh, oh. Donc toi, aujourd'hui, tu es pasteur. Tu penses que toute la pensée de Dieu, là, c'est écrit dans la Bible? Tu sais pourquoi on a écrit la Bible? Tu sais quand est-ce qu'on a écrit la Bible? Quand on parle du Nouveau Testament, tu sais à quel moment ils ont écrit? Au temps de Noé, on parlait du Nouveau Testament. Mais quand est-ce qu'on a parlé du Nouveau Testament? C'est après quoi? Après le travail de Christ Jésus en Israël. C'est après ça qu'est venu le Nouveau Testament. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, c'est quand Dieu fait effectuer le travail, après avoir fini d'effectuer ce travail, on écrit pour sauvegarder. C'est tout. C'est très simple. Si on n'a pas écrit la Bible, le travail que Dieu a effectué en Israël, comment vous pouvez comprendre quelque chose? Et voilà pourquoi est-ce qu'on a écrit. Cela ne veut pas dire que Dieu ne peut plus effectuer tout travail, mais tout travail. Cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas venir pour effectuer encore des travaux sur terre. Non. Et on dit où c'est écrit. Vous voulez que Dieu écrit d'abord avant d'effectuer? Qui vous a dit Dieu écrit avant d'effectuer? Dieu, il effectue et on écrit. C'est comme ça Dieu. Dieu n'a pas d'avis. Quand je dis que le monde est fini, c'est pas mal. Mais je vous dis que le monde est fini. C'est fini. Le monde que vous voyez, ce monde-là est fini. Et moi, je vous parle. Ça compte de ça, je suis là. Voilà pourquoi je vous dis que c'est fini. C'est pour détruire ce monde-là que moi qui parle, moi qui suis en train de parler, je suis sur terre. Et je vais le faire. Vous pouvez croire, vous ne pouvez pas croire. Mais moi, nul ne peut refuser de venir à moi. Moi, Dieu. Vous qui êtes là, qui êtes étranger aujourd'hui, si je vais appeler quelqu'un à moi, aujourd'hui, tu vas aller dormir, tu ne vas pas dormir.
je serai sur toi comme ça. Tu vas donc, ce que je vais te montrer, matin, quand tu vas te lever matin, tu vas trembler. Si c'est sur le lit de Dieu, tu vas trembler comme ça. Après, il dit, ah, donc c'est la vérité. Et il commence à comprendre. Moi, Dieu, je vous dis que ce n'est pas aussi facile de croire à tout ce qui se passe là. Parce qu'on vous parle de Dieu. On vous parle du Seigneur Jésus-Christ. Et vous venez trouver un noir. Et vous dites que ce monsieur noir, c'est lui qui est Dieu. Ça traumatise. Et sachez que les choses de Dieu ont toujours traumatisé. Ça a été toujours comme ça. Les choses de Dieu ont toujours traumatisé les humains sur terre. Ils n'ont jamais compris rien. Quand Dieu te fait dire un travail sur terre, les humains ne comprennent jamais. Ce qu'ils ont à dire là, c'est faux. C'est du mensonge. C'est du blasphème. Pour blasphémer le nom de Dieu, on blasphème le nom de qui? Si nous on blasphème le nom de Dieu, là, dis à Dieu, va nous tuer. C'est vous qui allez nous tuer ou que c'est Dieu lui-même? Blasphémer le nom de Dieu, vous allez voir. Vous regardez la chaise royale de Dieu là. Vous savez qui fait? Qui fait sur la chaise de Dieu? C'est l'ange Saint-Michel. Vous connaissez Michel? Michel ne peut jamais autoriser que quelqu'un sur terre porte le chapeau royal de Dieu ou bien essaie d'asseoir sur le trône de Dieu. Jamais! Vous êtes là, qu'est-ce que les humains peuvent faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous qui pouvez tuer seulement le corps, vous ne pouvez même pas tuer l'âme. Et à comment vous parlez? Moi, je peux détruire ton corps et détruire ton âme et ton esprit. Je le redis, moi qui suis en train de parler, je peux détruire ton corps et puis détruire ton âme. Je ne parle pas de ton esprit là, ça c'est les sorciers là, tout ça. Je dis bien ton corps et puis ton âme. C'est pour te dire que moi, je suis Dieu. Amen. Quand je dis que je suis Dieu, ne voyez pas le côté humain, le corps qui est là, c'est pas mon frère qui est là. Mais c'est moi qui suis invisible qui vous parle. Amen. C'est moi qui suis invisible qui vous parle. Je ne suis moi Dieu, je suis pas visible. Je suis invisible. C'est moi qui fais tout ça. C'est moi Dieu qui fait tout ça. Moi Dieu, là, c'est moi qui porte la Bible que vous voyez là. C'est moi. Vous pensez que pourquoi vous ne mettez pas la Bible vous comme ça où il y a chaleur, regardez. Au lieu de là, c'est pas vrai ce qu'elle portait. Ouais, vous pensez que tant de porter vers ceci comme vous. Si elle porte vers comme vous, voyez la différence même. Hein? Si vous voulez que je porte vers pour moi, je vais porter et puis quand je viens, je vais m'asseoir ici, il n'y a pas de problème. Pourquoi ne veux pas m'asseoir aussi et parler? C'est pas la même chose là. Si je m'assois comme ça, je parle, c'est pas bon. Si je m'assois comme ça, je parle, on peut finir à 18h. Vous savez pourquoi? Parce que le corps lui-même ne sera pas fatigué. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que quand le corps lui-même est fatigué, il commence à demander aussi pardon qu'il est fatigué. C'est ce que vous ne savez pas. Moi, je ne me fatigue pas. C'est le corps que je prends qui se fatigue. Sinon, je peux parler. Quand je dis, on peut rester jusqu'à 18h. Je parle de mon Dieu, moi je ne fatigue pas. Mais c'est parce que le corps que moi j'habite là, il se fatigue. C'est un être humain. Mais ses pieds lui font mal, je tourne, je fais tout. Il est fatigué. Souvent je peux prendre son bras là pour taper quelque chose. Je peux prendre son bras pour taper la porte. Automatiquement, il ne peut pas sentir. Il ne va pas sentir. Mais il est capable d'aller à la maison, vous allez voir. Allez le trouver là-bas.
je dis tout ça pour que vous sachiez que Dieu, il n'est pas physique, il est spirituel. C'est parce que Dieu vous parle qu'il utilise le niveau. Vous comprenez, c'est tout. Mais Dieu, encore plus, ça parle avec la prophétesse Naomi en direct. Ici, c'est complet. Dieu parle à la prophétesse Naomi en direct, comme nous sommes parlé. Dieu incarne encore une personne. Et les anges encore sont là. Ils incarnent encore des gens que vous voyez là, avec des gens. Mais vraiment, voilà pourquoi je dis nous, on est blindés. Quand je dis qu'on est clôturé, la clôture est en béton armé. C'est pas possible. Le Dieu de Naomi, si on pouvait comparer le Dieu de Naomi à un paille qui est là, si on veut comparer le Dieu de Naomi à un paille, on dirait que c'est le paille le plus cher, le supérieur, le top de tous les pailles. Vous avez compris? Si on veut comparer aussi le Dieu de Naomi à quoi encore? À un habit? C'est l'habit le plus cher de tous les habits. Si on veut comparer le Dieu de Naomi à tous les dieux, c'est le suprême. Regardez, nous, à l'église, Patros, Dieu donné de Côte d'Ivoire, nous, on n'a peur de rien. Sur la terre, les hommes ont peur de quoi? Des sorciers, des génies, de la mort, de tout ça. Mais est-ce que vous avez peur de tout ça? Bien que vous avez peur de la mort, quand on dit que vous allez mourir, vous tentez comme ça. Comme dit, quand on révèle que, même si quelqu'un a mangé, il est prêt, son poids est ballonné, il s'en dormit, puis il fait rêve comme ça, il dit que, oui, j'ai rêvé, allez RTC. Il voit ça, parce que ça va se passer, peut-être il a mangé, il est prêt là. Mais quand il dort, il dit, le principal est décédé. Dieu, il faut que je l'appelle. Donc, quand il a appelé tout ce monde, il dit que, ah, j'ai rêvé, j'ai vu que tu es décédé. Tu vas dire. Ah. Qui ici? On a rêvé sur lui qu'il est décédé et puis il a ri. C'est comme si, quand on a dit, ils ont rêvé, on dit qu'ils sont morts là. C'est un immédiat qu'on mourit. Donc, même si les canets, même, non. Et là, c'est les 10 jours, parce que la mort a parlé là. Il faut que je me prépare. Si c'est 10 jours là, je vais faire. Mais sinon, à part ça, vous avez peur de quoi encore? Satan. Aujourd'hui, vous pouvez aller au village comme vous voulez. Vous pouvez aller au village comme vous voulez. Vous êtes en peinard. Vous dormez peinard. Et cela grâce au Dieu de Naomi. Supposons que nous sommes amis avec Satan. Vous pensez que vous pouvez aller au village et peinard comme ça? Chez Satan, c'est là-bas où on dit faire ou pas faire. Ça, c'est le système, le lieu de Satan. Le domaine de Satan, là-bas, on dit faire ou faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de destin. Tu peux aller chez Satan, chez quelqu'un d'autre, il y
enfants de Satan allaient prendre quelque chose là-bas, l'autre va partir ailleurs. Si pour lui qu'il a pris est plus puissant, il va te tuer. Mais dans le système de Dieu, il n'y a pas ça. Vous qui êtes là, levez-vous contre un enfant de Satan si vous allez voir. C'est votre tête là, je mets à pied. Tu ne peux pas être ici. Venu gêner, vous dire que Dieu de l'ami, aie pitié de moi, pardonne-moi péché, celui-là, parce qu'il fait la mort, il faut le tuer. Au moment où tu as gêné ces deux jours-là, tu n'as pas fini deux jours-là, c'est tordu. Tu ne peux pas, Dieu ne peut pas, Dieu ne consomme pas ça. Non, tu ne peux pas aller demander à Dieu de tuer quelqu'un. Même s'il est mauvais, comment? Si tu dors, on dit oui, aujourd'hui, on te réveille, on dit que tu es malade, mais tu as mal au pied, on va te réveiller, on dit que c'est la personne qui veut te tuer là. Voilà, cette personne te montre clairement la personne. Que c'est la personne qui a envie de te tuer. Tu fais quoi? Tu vas faire des histoires? Tu vas te venger? Mais tu fais quoi? Tu vas venir gêner pour qu'il puisse mourir aussi? Non. On vous montre que tu es malade. On te montre clair que la personne qui a fait te tuer là, voilà. Vous faites quoi? Hein? T'es allez gêner. T'es allé quoi? Dieu est allé tuer aussi. Non. T'es allé quoi? Éloigné qui? Celui qui veut te tuer là, il va s'éloigner de toi. Mais en fait, il y a une autre manière de dire à Dieu que la personne même qui m'a fait quelque chose là-bas, je le confie. Ici, vous parlez de retour à l'envoyé, c'est quoi? Il t'a lancé un sort, Dieu ne va pas faire relancer ce même sort sur lui. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça qu'on appelle retour à l'envoyé, non? Dieu ne l'envoie pas, il ne fait pas ça. Retour à l'envoyé là, il ne fait pas. Il n'y a pas de retour à l'envoyé. On parle de retour à l'envoyé, c'est Satan. Mais c'est Dieu, on ne parle pas de retour à l'envoyé. Est-ce que vous comprenez? Moi, Dieu, moi. Vous, si vous êtes là, si quelqu'un vous lance un sort et puis ça vous atteint, réprochez-vous même. Si quelqu'un va vous lancer un sort, que ça vous atteint, vous. Avant le patron, toi que tu as fait un an dans patron, si on te lance un sort, que tu as atteint, révise toi ton comportement, révise ta foi. Et donc tu ne peux pas venir me dire que la personne même qui m'a lancé ce sort, lancé le tuer, pour le tuer aussi. Toi-même tu as fait quoi? Écoute, ils ont lancé toi. Toi-même tu es là. Toi, foi est comment? Tu crois comment en moi? Et puis on peut te lancer. Moi, je crois toujours, je crie. Je dis, on ne peut pas vous lancer des sorts ici. Mais pourquoi toi, on te lance, on t'a lancé ce sort-là qui s'est raté. Tu as fait comment? Tu marches comment? Tu vis comment? Tu crois comment au Dieu de la vie? Pour une interrogation. Et donc, il ne faut pas me dire, tu ne crois pas. Non. Donc, si je dois accuser quelqu'un, c'est toi qui accuses. Je n'accuse pas l'autre. Parce que quoi? Parce que matin, midi, soir, spirituellement, Satan est déchaîné contre vous. Ça, sachez-le. Matin, midi et soir, ce que Satan veut, c'est quoi? Avoir un seul élément dans le peuple de Patmos. C'est-à-dire que si Satan, les éléments de Satan peuvent tuer, même un enfant de Naomi, ils sont, c'est la joie dans les camps. C'est la joie. C'est pas possible. On peut pas. Voilà pourquoi j'ai toujours dit battez, croyez en moi. Croyez en moi. Croyez au Dieu de Naomi. Si vous croyez, rien. On peut rien. On peut pas. Tu vas te tomber malade. C'est pas quelqu'un qui a intervenu en soi. La maladie est là. Tu viens moche, tu guéris. Il y a
beaucoup de problèmes sur la terre. Vous n'êtes pas épargné. Et c'est en cela aussi que vous voyez la puissance de votre Dieu. Mais ce que Dieu ne fait pas, c'est de laisser vous, votre vie, à Satan, là, non. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que croyez. Monsieur, je viens. Je lui dis un micro. Tu es allé au village une fois. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tu es enfant de Dieu de Naomi. Tu es un enfant de Dieu de Naomi. Tu crois au Dieu de Naomi. N'est-ce pas? Tu effectues correctement le travail du Dieu de Naomi. Voilà. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Amen. Amen. Bon, Dieu a fait beaucoup pour moi. Mais avant je ne vais pas en parler. Vraiment.
Acclamez les femmes de Dieu. Vous savez, tout ce
se passe dans le spirituel. Pas le physique, il n'y a rien. Le combat, c'est spirituel. 98%, seulement 2% est physique. C'est comme vous voyez là. Ce n'est rien. Mais tout se passe là-bas. Là-bas aussi, j'ai prêté. Vous voyez, ce monsieur dont il parle, c'est un vieux. Est-ce que physiquement, il peut aller lui donner des coups de poing? Il peut? Non. Qu'il essaie. Mais un seul coup de poing, il sera KO. Mais où il peut savoir? Où il est puissant? Dans son sorcellerie. Parce qu'il se voit fort là-bas. Là-bas aussi, il ne sait pas qu'il y a un garçon qui est là. Qui est plus fort que lui. C'est ça qui est le problème des gens aujourd'hui. Le problème que les sorciers, les féticheurs ont avec le peuple de Patmos que vous êtes. Ils ont un problème, c'est un gros problème. On ne vous aime pas. Ne vous découragez même pas. Ils savent pourquoi ils ne vous aiment pas. Et ils savent, c'est vous. Regardez, n'importe où, dans n'importe quel village, on va installer Patmos, le village, tous les sorciers de ce village ont un problème. Et donc toujours, ils ont des réunions à faire, comment faire pour déloger ce truc-là. Et eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Parce qu'en fait, ils ne connaissent pas Dieu. Les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens, l'homme là, ils ne connaissent pas Dieu. Mais l'homme, les gens ne connaissent pas Dieu. Dieu va se révéler à certaines personnes qui vont dire non, ça c'est Satan. Pourquoi souvent les gens disent que oui, c'est Jésus vous a adoré? Comment il sait que c'est Jésus? Le balai, quand le balai parle, il dit à Samana Gagan, c'est quoi? C'est un génie, il est comment? On dit lui, il est grand, un génie, il est grand. Le balai appelle à Samana Gagan, les géants. En français, comment on l'appelle? Hein? Le cyclope. Et c'est cela, à chaque fois, c'est ce qu'ils disent. Ils disent pas c'est génie coucou là. Il y a des jeunes qui sont coucou, non? Mais quand ils parlent, ils n'ont jamais dit les jeunes coucou, ils disent ce qui est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en sorcellerie, quand ils se doublent et puis viennent, hein, sur le peuple de Patmos, ils voient des êtres qui sont arrêtés là, mais qui sont grands, qui dépassent même la maison, grands. Mais ils sont confrontés à un problème parce qu'à une certaine distance, ils ne peuvent plus avancer. Ils viennent s'arrêter comme ça, et puis ils regardent comme ça jusqu'à. Et ils ne comprennent pas, c'est quoi ça? Et il regarde et puis il se demande, c'est quoi ça? Il ne peut pas avancer. Il peut reculer, mais il ne peut plus avancer. Mais il dit, c'est quoi ça? Ça va. Dieu. C'est pas Dieu. Pourquoi ils disent que c'est pas Dieu? C'est parce que quand ils font les sorcières là, les églises que vous voyez là, moi Dieu, je vous dis, c'est zéro billet à la base. Le sorcier rentre là-bas, il sort comme il peut. Il n'y a rien là-bas. Moi, je ne suis pas là-bas. Je suis pas double homme. Je suis un, ici à part. C'est fini. Il y a quelque part. Vous dites que ce n'est pas moi. Vous m'insultez matin, midi, soir. Et puis moi, je vais travailler avec vous. Pourquoi? Les sorciers, ils rentrent là-bas. Ils sortent. Ils rentrent là-bas. Ils sortent. Demandez, allez demander aux gens de ces malades. Vous qui êtes ici, quel sorcier? Vous n'avez pas condamné la sorcellerie. Vous faites sorcellerie là. Faites association un jour là-bas, puis venez, envoyez vos maris, vous allez me préparer, sinon à voir. Vous allez vous comprendre ici. Mais les églises que vous voyez là, ils font ça dans les églises. Demandez aux sorciers qui sont là-bas, ils vont vous dire. Sorcier qui est ici, qui dit prépare ici, regardez son doigt là pour parler. Ou bien s'il sort et les gars allaient vous dire, regardez, l'homme est dit à quelqu'un, moi là, je viens faire ce soleil ici, il n'y a rien. Tu es caqué tes yeux là. Moi aussi j'ai caqué mes yeux là pour te regarder aussi. Ça veut dire ici, Satan n'a pas de pouvoir. On n'accepte pas. Il y a les anges qui sont remplis ici là. Quand il dit que, souvent quand il dit que vous êtes aveugle là, je ne vous insulte pas, mais c'est une réalité. Mais quand il dit que vous êtes aveugle là, je parle de la deuxième vue, la vision 2. La vision 2.
pour vous là, c'est fermé. Car si on ouvre, vous allez voir tout ce qui se passe spirituellement. Si on ouvre aujourd'hui la vision 2, vous n'allez plus voir ce corps noir, mais vous allez le voir comme les cheveux là. Il faut au ciel vienne, il faut au ciel vienne. Qu'est-ce qui est arrivé à ce peuple-là? Rien. Vous, ce qui vous reste à faire, il n'y a rien. C'est d'effectuer le travail de Dieu de maman Naomi. Effectuer le travail, c'est tout. Ne discutez pas. Quand on effectue le travail de Dieu, on ne effectue pas le travail de Dieu pour quelqu'un d'autre, mais on le effectue pour soi-même. Soi-même. La bénédiction, quand ça retombe, c'est sur toi. Cherchez plus de bénédictions. Plus Dieu vous bénit, plus vous êtes dans l'allégresse sur la terre, vous êtes dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonsoir et grand monsieur. Amen. Ma voici est votre amoussou. Amen. Ma l'amour, bonsoir, bonsoir et grand monsieur. Amen. L'amour, la fille, amoutiri. Amen. 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 Bonsoir et grand monsieur. Amen. Nyam yé l'oubli pour l'amour. Amour qui souhait, amour pour l'amour. Nyam yé l'oubli. Nyam yé ça pour l'amour. Amour c'est que... Sauf que... Mais Jésus-Christ blessé. Il y a un bon mi... Ou Israël, Israël, mais toi, oh, you feel, Neo. Ça veut dire, c'est ça, c'est grand. Amour, les voit, toi, Neo. Voit, toi, c'est grand, 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 c'est grand. Il dit, mon si il y a qui m'en quand on gagne. C'est un grand volcan, mais votre y'a pas. Hein? Et qu'est-ce que ça, ça va être encore? Qu'est-ce que ça va être encore? Après, tu vas voir toi. Il y a un diable qui a dit, ah, moi, on va m'en poser. Hein? Il va vivre 300. Il y a bien, il y a un peu de temps. Moi, tu as ça. Ça, c'est chanson de vie. Noël. Nyamie inaure, yo owa sano. Ask inaure, yi l'origine. Et la photocopie. Si on est dans le photocopie, si on est dans le photocopie, la même là, ils n'ont pas tout eu. Mais comme ces chansons, c'est pas mon plan original qui on les donne derrière. C'est ça, non? Photocopie. Et si on chantait ça, hein? Et si on chantait? Bon, on va appuyer un peu, il faut faire son là, il devez-vous, vous allez chanter un peu. On va tirer, tirer nos jambes, n'est-ce pas? Thank you.
Amen. Ma sera être un morceau. Nyamienga, Christo Lord, Oti Foutou Poubi, Onoizila Nyaoye. Original. Propre. On ne partage pas. Tu veux l'original, tu rentres à moi. Ma soeur est un mousseau. Ma voici est un mousseau. Pas de mousseau pour moi. Amen. Ma fête la bonne année, mon frère Moulet. On lui fait de ma foi, on fait à mieux, oui, ma tienne, bien, 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 ma soeur est un mousseau, ma voici est un mousseau, ma voici est un mousseau, ma voici est un mousseau. Je l'ai au poids. Là, vous ne pas consulter sans le proclamer, mais vous ne pouvez pas consulter à ma la fissure. Tu as fait que vous avez cru le roi Fali, ou à tout cas, à la fissure, que vous avez donné à ma vie de famille. Mao. Dès que vous avez eu le roi, 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 vous êtes lancé. Tu as pris le devant. Ne permet pas à celui qui est derrière de prendre le devant. Ils sont dit. Amoukli. Mais moi, bien, ça vient, fils, ça y est, ça va nous parler. Et vous plaît, 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 quand j'ai dit c'est bon, amour y'a un petit n'y non. Quand j'ai dit ça t'es fait bon, c'est amour y'a un petit n'y a rien non. Ma soeur a l'étranger mon soeur, ma voici est l'étranger mon soeur. Quand est quand est-ce que tu as fait? C'est Amosu, digne de votre droit. Bah, bon, Amosu, ça n'a pas quand ça. 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 Amosu, amo quando ele me pediu o ramo sou na amo a tanta blu amo já esqueça pum pum não mas amo já dié amo se quer me quem vai pular lhe lhe já dié na fama mim na ulume amo stresso amo tiri moço é tramo sou já me vou me vou te sacar e que tá no mati já sabe que sou a sacinho amo fe amo nire nene. And then the moon blew up, and then the day, the night with their mind. It didn't near me. Now, one thing I'm tragically, I'm saying one day. I'm saying, right, Mama,
Il y a un peu de temps. 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 Il y a un
Traumatise, et moi je dis que ça traumatise même. Vous comprenez ça facilement.
Mais par contre, les autres, puisque Dieu lui-même n'a pas encore ajouté son grain de sel, il ne peut pas comprendre que tu sois pasteur, évêque, quoi, il ne sait pas donner le nom, comme vous voulez. Mais si moi, je n'ai pas accepté que toi, tu saches que moi, je suis ici, tu vas quoi faire? Tu ne pourras jamais comprendre. Tu vas lire la Bible comme un roman, c'est tout. Mais la Bible, on ne la lit pas comme un roman. Mais quand tu lis la Bible, il faut que l'Esprit de Dieu aussi soit à tes côtés pour te t'enseigner. À Patmos, il n'y a pas une école pour les prédicateurs. Quelqu'un peut venir installer son église dans une localité quelconque. Mais il est le prédicateur. Il sera le prédicateur. C'est qui tu vas aller prendre pour être prédicateur? Toi, tu as créé ton église, l'église de Patmos, tu vas chercher un prédicateur pour toi. C'est toi qui as créé, tu vas être prédicateur. Mais il sera prédicateur. Pas avec sa propre force, mais avec la force de l'Esprit de Dieu. Amen. Il n'a qu'à gêner. Vous dites Dieu, il a oublié écouté de moi. J'ai créé mon église. C'est moi qui vais enseigner. Apporte-moi la sagesse nécessaire. Et donne-moi ton esprit pour que je puisse enseigner tes enfants. Ça suffit, c'est fini. Là, il va prêcher parfaitement. Tu sais, ce que vous ne comprenez pas, demandez-le. Vous n'êtes pas prédicateur. C'est à cause de ça que vous ne comprenez pas. Demandez-le. Ils vont vous dire comment ça se passe. Si vous voulez demander là, ils vont vous dire, quand il vient s'arrêter devant ici, ce qui se passe là, ils vont vous enseigner, ils vont vous dire. Si toi je te prends, toi moi je te prends, il dit viens t'arrêter ici. Il suffit de devant. Tu viens t'arrêter ici par exemple. Et puis voici mes enfants qui sont réunis. Il suffit de lever ton bras là pour prier. Que Dieu te donne la sagesse pour que tu puisses enseigner mes enfants. Que ce que je vais dire ne provient pas de moi, mais que ça provient de toi. Toi seul, que la gloire te revienne. Tu vas voir ce qui va sortir de toi. Tu vas lire. Tu es là. Dieu, il t'envoie. Il te donne les paroles. Il t'envoie, on t'envoie. Et puis toi, tu as la tête chargée. C'est-à-dire à l'instant T, à une fraction de seconde où tu es ici, là. Tu as le temps ici, le temps d'ordonner. Tu as le temps de choisir. Il peut choisir, ça. On peut leur donner des paroles. Mais il peut laisser d'autres. Ils peuvent blesser, ils peuvent ne pas dire. Et puis prendre. Ils ont le temps même. Ça, on leur donne, on leur envoie, on leur donne. Mais là, même, ça arrive même de faire sortir, de vous enseigner. Mais ils ont le temps de donner. Ils ont le temps de laisser d'autres. On peut leur dire, c'est un jour, ils ne disent pas. Il y a d'autres, on leur dit, et puis ils nous enseignent. C'est quand même, c'est passionnant. Hein. Parce que ce qu'ils disent, ça ne fait pas. Dieu m'a fait, c'est l'Esprit de Dieu qui leur donne la sagesse. Sinon, les prédicateurs, ils vont vous dire quoi? Vous faites des milliers de personnes, ils vont s'arrêter pour parler. Ce n'est pas vos propres yeux là qui vont effrayer quelqu'un qui est derrière le pupitre. Non! On va mettre un petit ici. Même si c'est les vieillards qui sont là, il va prier. Il va enseigner parfaitement. Parce que ce qu'on appelle la peur, la honte, ça quitte. Et c'est Dieu maintenant qui lui donne les paroles et lui enseigne. Patmos appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui gère Patmos. C'est Dieu qui enseigne ses enfants. Voyez fermement mes enfants. La récompense est à venir. Demain, vous serez récompensé. Mais aujourd'hui, acceptez de souffrir. Acceptez de faire le travail de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ma soeur est un morceau. Amen. Ma femme profonde. Quand profonde, il y a qui va vous chiner. Quel qui va vous bien, pas d'ailleurs. Ma soeur est un morceau. Ce que c'est à quand vieux, profonde. Quand, quand tu as pas mal. Tu tiens à moi, flash, quand on est. Tu comprends pas, oui.
Parfaitement, non? Tout ce que je dis là, tu comprends? C'est bien. Si tu ne comprends pas parler, elle est parlée en français pour toi. Bon. Mais on va rouler par moi, il n'est pas là. Ouais, c'est toi qui ne comprends pas parler. Mais il faut apprendre. Miwan yo, tu comprends, non? Mien yo, tu comprends, mien yo là. Tu comprends, bla. Tu comprends? Eh, tu comprends un peu. Tu comprends, clomé, tu comprends, non? Clomé, tu comprends pas. Tu comprends un peu ça. Ou quoi aller? Tu comprends pas ça? Donc quand il parle, il dit quoi aller? Ça, ça, tu comprends pas aussi, hein? Quand il dit je n'aime pas ça, quoi aller? Je n'aime pas ça, je n'aime pas ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est quoi qu'il y a? Je n'aime pas ce que tu fais là. Donc, il faut apprendre. Ou bien, ah ben c'est ça, c'est propre, il faut apprendre un peu par où aussi. C'est ça, hein. C'est la condition que Dieu... Ah, ah c'est Dieu qui l'a voulu, ou bien. Et donc il faut, même les Blancs vont venir, les Américains vont venir, vous pensez moi, je vais parler anglais. Anglais, moi, ce que je peux parler là, c'est « How are you ?» C'est ma femme là, la première fois derrière. Ah, qui va venir ?« How are you ?» Parce qu'il va répondre là, « Je ne connais pas. » Ma soeur allait être en soeur. Pas dans ce poème. Il y a un mot qui s'appelle blé. Il y a un mot qui est tout bon. C'est tout. À moi aussi, il y a un mot qui est bon. Mais pourquoi on veut souvenir de Christ sur nous? Il y a un mot qui est soin. Mais que le bénir est ça, c'est que. Il y a quoi lié? Mais comme il y a ça, on m'a sous sa tête. Il y a un cousin qui a voulu voir ça. Il y a un lien dit, mais attends, moi, du moins. Il y a un lien qui a fait, il y a un du mal qui dit, non. Il y a un lien qui a fait, il y a un du mal qui a dit, on 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 dit, Na ou bien moi, il t'entra pour faire des bâtons. Il y avait signé. Il y avait un grand bébé à ce prophète. Prophète, tu vois, tu combats. Mais frère, la prophétesse, la ou. Prophète, il y a un signé là. Prophète, il y a un signé là. Prophète, il y a un signé là. C'est que galère moi là où il t'entra bien là où il demande quand il t'entra au très bien. Mon soeur est un soeur. Amen. Mon soeur. Amen. Ok, il y a un demande qui t'entra mais pourquoi pas bien demande. Il dit un qui traite ma mort que gré. Un qui pas. Il dit un qui traite que gré. N'y a mis du moins un qui. Un qui n'a pas capable de faire ça. Je m'en prends mais ça bien un qui. Un qui. Il y a un mot qui m'a dit, il y a un mot qui m'a dit, je te fais, il y a un mot qui m'a dit, il y a un mot qui m'a dit, ah quoi, on est fanga, on a fait sa femme, 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 on a fait sa
Moi, je suis un peu plus âgé. 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 Je suis un peu Il y a c'est pas non, la guerre, c'est pas blessé, blessé, vous pouvez parler, il y a pas non. Ne tient pas. Le bénéfice, quel vieux, tout ce quoi. C'est bien, je ne sais pas comment tu m'as dit, et moi, là, il y a un problème, mais ça qui est valable, pas, mais il y a ça qui est. Je ne sais pas comment tu m'as dit, ok, c'est quoi. C'est un élément pour moi, il y a vieux, l'OS est royal. Je n'ai pas le temps à perdre. On avance. On va arriver. Et on moi, ça a été mis à mon tour. Afin, on a mis un vélo, on a fait bien, on a mis un vélo. 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 On dit, vous êtes la lumière. Vous reflétez la lumière. Quand ils sont là, c'est vous qui regardent. On appelle les conseillers, la mémoire, la sagesse, l'intelligence. Ne bafouillez pas cela. Ne traînez pas le nom de Dieu par terre. Mais élevez toujours le nom de Dieu. Amen. Amen. Faites toujours ce qui plaît à Dieu. Mais ne faites pas ce qui te plaît à Dieu. C'est compris? Si aujourd'hui, je rentre dans le temple et vous voyez que je suis en train de vous faire la bagarre, est-ce que c'est intéressant? La mémoire. La sagesse de l'Église. Tu es en train de vous faire des histoires. Ce n'est pas intéressant. Moi, Dieu, ça ne m'honore pas. C'est quand je viens et je suis en train de faire des histoires avec les prédicateurs. Ça ne m'honore pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, souvent, si je suis fâché, je fais comment? Bien, je suis fâché. Je peux me déchaîner sur quelqu'un ici. Ou bien, je peux me déchaîner sur toi, je peux pas là. Ou bien, je peux ici. Mais maintenant, les histoires sont finies, c'est pas ça? Je ne fais plus parler avec quelqu'un. Est-ce qu'on fait parler encore? Non, on ne fait plus parler. Avant, les étrangers là, fermez les oreilles. Avant, on fait parler. Parler, on fait. Tu as fait quelque chose de mauvais, tu viens. On se frappe. Et puis après, on va arranger. Maintenant, je ne fais plus ça. Mais c'est parce que je ne fais plus ça que vous êtes devenus comme ça. On avance. Mais vous voulez toujours qu'on recule. Bon, d'accord. J'ai compris. Bon, ok. On va voir ça, hein. Et regardez aujourd'hui. Si je me permets aujourd'hui.
Mais pourquoi il a vu comme ça? Hein? Pourquoi il a vu? Mais ce qu'ils oublient, s'il te plaît, ce qu'ils oublient, c'est que à l'église de Patron Dieu de l'Église du Côte d'Ivoire, il y a un lieu où toujours on cadre ceux qui dirigent là, ceux qui ont les pouvoirs. Il y a un lieu où ils stockent les pouvoirs. Quand ils finissent, ils stockent. Mais ce n'est pas tous les bois qu'on prend. Souvent, il y a d'autres, il y a des absents. N'est-ce pas? Et ces absents ont leurs voix qui sont stockés. Donc, je vais fouiller pour voir si je peux avoir même un voix. On n'en parle pas. Il y a, non, il y a plein ici comme ça. Voilà. C'est bien ça. Lui, là, il ne m'arrange pas. Voilà. Voilà. Normalement, logiquement, à chaque fois que je rentre dans le temple, je devais avoir un bois comme ça. Oui. Pourquoi? Parce que je suis le berger. Le berger, il a toujours un bois. Faut ouvrir. Moi, je suis le berger. Mais le berger, toujours, il a un bois. Ce bois-là, le bois du berger, c'est assez bon. À rassembler le troupeau, n'est-ce pas, les brebis. Mais supposons qu'il y a une brebis qui est têtue. Mais on ne fait pas de lui. Ah, voilà, justement, on le tape. On dit, tu es têtu, rentre là-bas. Pourquoi tu es comme ça? C'est ce travail-là que je fais avec vous. Parce qu'il y a des brebis là qui sont têtues. Quand on passe, à rentre ici, et puis, ça sort là-bas. Cela, on est obligé souvent d'utiliser ton bâton, n'est-ce pas? Mais pas parce qu'aujourd'hui, si tu as un travail, c'est pas parce qu'aujourd'hui je vais utiliser faire quoi que ce soit. Non. Non. Je ne vais pas taper. Est-ce que je prends ça, tu tapes, tu as fait quoi? Tu as fait quoi et puis je dis t'appelles ça? Rien. Tu n'as rien fait. Elle n'a rien fait tant. Et si tu tapes avec toi, elle tremble. Mais c'est trop long. C'est long. Et si elle casse dessus, c'est pas bon. Regardez, ça la plus que travailler ça. Il faut que ça soit comme ça. Voyons. Là, on peut travailler avec. On fait comme ça. N'est-ce pas? Quand tu fais comme ça, tu es obligé, il faut que toutes les brebis là soient canalisées. Et puis vous partez. Mais souvent, quand tu essaies de canaliser les brebis, il y a souvent des brebis qui sort du lot. Mais quand la brebis sort du lot, tu es obligé de faire quoi? De laisser, par exemple, ici, pour aller là-bas, pour aller faire entrer. Mais si tu ne fais pas attention, l'ennemi peut agir de l'autre côté. Et quand tu es énervé, quand tu vas trouver la brebis, tu as fait quoi? Tu te déchaînes. Mais tu es trop têtu, tu es trop têtu, mais c'est quoi ça? Rentre là-bas! Rentre! C'est quoi ça? Tu te bats trop! Je passe dans ton pas! Mais pourquoi c'est comme ça? Vous n'écoutez pas, on vous parle, ça rentre ici, ça sort ici.
pas parler aujourd'hui. Les étrangers, à cause de vous, hein, à cause de vous, on ne peut pas parler aujourd'hui. Donc on remercie les étrangers. À cause des étrangers, on laisse tout tomber. Hein? Est-ce que les étrangers ferment les yeux et puis ferment les yeux? Fermez les yeux et fermez les yeux. Yeah. On va parler en comportement de voilà. Donc, je vais un peu. Ceux qui sont dehors, ceux qui sont dehors, que Dieu bénisse. Je viens. Moi, je viens pour rendre visite au monde. Je dis là-bas, quand je crie, rien, rien, rien. Vous êtes cachés dehors, ici. Maintenant, quand je chicote les gens, vous êtes cachés, cachés ici. Donc, on va se. On va travailler plus, vous avez compris? Nous allons travailler un peu. Vous avez compris? Ou bien? Que Dieu vous bénisse. Vous voulez bénédiction, vous ne voulez pas bénédiction. Tu veux bénédiction, tu ne veux pas bénédiction. Hein? Donc vous pensez bénédiction là, c'est tout dans la bouche. Soyez béni, soyez béni. Maintenant quand je dis soyez béni là, il faudra que chacun puisse faire quoi? Réviser son comportement. Maintenant, si je regarde vos comportements de ces façons bizarres, est-ce que je peux vous bénir? Hein? Bonsoir et Tramosou. Bonsoir et Tramosou. Ni à mon canta, ni à mon signe, ni à mon hein? On y a. On y a moi, on y a moi. Hein? Ok. Ça, on y a. D'accord. Tiens! 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 En groupe,
Voilà. Koto. Moi, je suis un peu plus grand. Pensez à être en dessous. Seigneur, si je sors, vous me blessez à la migraine. Pas me blesser moi. Pas me blesser, c'est bon. Parce qu'il y a quoi? Ça dit. Ah! Il y a un jour de paix. Et puis on dit, ça dit. 30. Tout bien. Tout bien. Dormir para a mão. O que foi? O que eu liguei? Minha, vai, vai, minha mãe. Minha, vai, vai. Aí, quando eu... Aí, quando eu... Aí, quando eu... Não, não, não. Aí, quando eu ligo, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Não. Não. Mas, aí, tá bom, sou. Cristo, não tem um direito, ali. C'est pour montrer à ceux qui ne sont pas là. C'est pour montrer à ceux qui ne sont pas venus. Vous là, venez, je suis ici. Arrêtez de regarder la télévision. Tu me filmes avec caméra, avec portable pour te ménager. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous aime. Vous aussi aimez Dieu aussi. Vous avez compris? Amen. Le travail que nous effectuons,
La finalité, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. La finalité, c'est la vie éternelle. Luttez. Luttez fort pour l'avoir. Compris? Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon soeur est en mousseau. Amen. Ma voici est en mousseau. Amen. Et quand on fait ça, aujourd'hui, dimanche, demain, jour de travail. Il faudrait que vous passiez vous reposer un peu afin de récupérer pour Dieu. Mais les prédicateurs aussi, demain, ils reprennent encore. Les prédicateurs, ils n'ont pas de repos, non. Vos prédicateurs, est-ce qu'ils ont repos même? Même dimanche, ils sont là. Ils n'ont même pas repos. Hein? Vous, vous avez repos. Samedi, toi Christophe, tu vas au travail. Samedi, les samedis sont au travail. Pas toujours. Si tu veux venir à l'église, tu viens. Si tu ne veux pas venir, tant pis. Mais les samedis, les prédicateurs sont là. Toi, samedi, tu dois à la maison. Là. Quelle nuit? Surveillance. Donc, ça veut dire toi aussi, tu n'as pas le coup. Lundi, là, tu viens faire le travail de lundi. Ça, c'est pour moi, c'est ton repos. Ma soeur est tramousseau. Ma voisine est tramousseau. Ma voisine est tramousseau. Je suis un homme qui est bon pour moi. Je suis un homme qui est bon pour moi. Je suis un homme qui est bon pour moi. C'est ça. Je suis un homme qui est bon. Prédicateur, en pata Cécilia, mon ami. En Cécilia, mais on y a qui? Je dis, à y a qui nous attend? Raphaël. Hein? On dit qu'on va pas pleurer, Raphaël. Petit,
qui sont des personnes, des humains, qui sont de Dieu. Non. Il y a des gens que vous croyez, vous croisez, mais leur âme, ça n'appartient pas. Ils n'ont même pas d'âme. À la place de leur âme, comme ce que vous avez, c'est quelque chose d'autre. Et quand ils décèdent, ils se transforment à la chose là. Il y a des personnes que vous voyez, c'est des génies, mais ils donnent l'aspect humain. Ils sont parmi vous. Il y en a plein dans Abidjan. Il y a des revenants. Il y en a plein dans Abidjan. Mais c'est pas à cause de tout cela que je suis là. Si toi tu allais annoncer la bonne nouvelle à un revenant ou un revenant, tu veux que celui-là puisse croire ce que tu dis? Yeah. Mais le revenant, il ne va pas venir ici. Le génie ne va pas venir ici. Toi, tu ne sais pas que c'est un génie, tu as fait parler de Dieu, il ne va pas parler mal de Dieu parce qu'il sait que tu parles. Si Dieu, ce n'est pas tout le monde qui appartient à Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Je vais vous laisser là. Des fois, Jésus, on croit ou pas, à mon blanc, ou à quoi on dit, il va voir son nom, on se roule à mon. Je n'en prends pas pour voler, pour les voir, pour Dieu, pour s'asseoir. Il est aimé, l'amour, et toi, et si, si. Blâme de ma aide, mon soulier, et moi, et Amen.